Et bienvenue dans ce cinquième épisode consacré à Michael Jackson Moonwalker. Et ouais, j'aurais cru que ça aurait été en moins d'épisodes que Ninja Turtle, mais en fait non, c'est long aussi. Je crois qu'on en est au dernier round. Je crois, on va voir ce que ça donne. Il nous reste pas mal de continu, à mon avis on va s'en servir parce que là on a zéro vie. Mais on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. C'est parti. Par contre là, ouais, au niveau des ennemis, je crois qu'on aura que des soldats. Et je suppose que ouais, les petites filles sont planquées derrière les rideaux de fer. Alors qu'on a Bad en fond. Il est vraiment pas beau ce niveau. Hein. Je suis vraiment pas fan. Ah, on va peut-être monter là-dessus. Ouais, voilà. Personne. Oh là 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 là, on a vu des rayons qui nous tirent dessus. Ça va pas aller en nous aidant tout ça. Oh là là. Mais putain, mais... Oh là là, mais il nous tire de n'importe où ce truc. Oh la vache. Est-ce qu'on arrive à l'épisode chiant? Au niveau de merde? Où on se dit, allez, de toute façon, ils iront pas jusque là. Donc on fait de la merde. Oh là là, je le sens mal. Est-ce que ça change quand on meurt? Non, il y avait toujours personne ici. Comment tu vas là-haut, là? On se fait canarder ici, hein. Oh là là, ouais. Ça vient d'un peu partout, hein. Bah comment on fait, là? Moi pas comprendre, hein. Ça a l'air de devenir compliqué, tout ça. Faut le casser, ce truc. Ah, faut peut-être se mettre sur... Ah bah non, je l'ai cassé. Ok. Mais ensuite... Faut casser ces trucs-là. Oh là 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 là, ça m'a l'air compliqué tout ça. Bon, apparemment, on peut casser les consoles, là. Mais à quoi ça nous sert de les casser? Je vois pas l'intérêt, en fait. De les péter. Ok, c'est cassé, super, et ensuite... Et là, peut-être que ça... Je peux l'atteindre comme ça? Non? C'est flou tout ça, messieurs, dames! C'est flou! Ah bah du coup ça a pété le rayon. Ok, je viens de comprendre ça. Ah mais du coup qu'on a plus de pouvoir, on peut plus le péter là. Ah d'accord. Ouh là 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 là. C'est des genres de téléporteurs là. Ok, bon, c'est pas grave. On a compris la mécanique du truc, maintenant il n'y a plus qu'à... Bah, qu'à avancer. Ok, c'est des téléporteurs. Oh là là, ça sent encore bien le design, bien à la pirate, bien relou, encore pire que le cimetière et tout ça. Hein.
ça c'est cassé. Ils sont vraiment relous à niquer ceux-là. Oh là 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 là. Ça va bien de croiser une petite fille là. On a besoin d'énergie là. Ah bah. Yes, 2. Ce niveau part en couille. Hein. Oh mais les canons sont prises de tête. Waouh. C'est notre dernier continu. Génial. On va devoir la jouer safe là. Hein. On va pas trop y aller comme des bourras. Là, on sait qu'il y a personne. Non, c'est pas là qu'il faut aller. Allez! C'est bien. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Mais comment on a fait ça? Mais comment on a fait ça? On est méga Michael? Je comprends pas comment on a fait. Mais c'est génial! Comment on a fait ça? Waouh! Je comprends pas ce qui s'est passé, mais c'était bien! Waouh! On peut pas les casser ça? Ouais, si, c'est bien. Mais comment on a fait ça, quoi, les gars? Eh, va falloir que je me replay ça. Parce que là, je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce qu'on a eu deux filles assez rapidement? Je sais pas. Ah putain, les rayons là, c'est relou par contre. Il y a des petites filles là-dedans, c'est sûr. Ouais, je m'en doutais. Eh non, mais il va falloir qu'on m'explique. Hein. Vraiment là, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est incroyable. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Oh, et puis des bombes maintenant. Ça, c'est le pompon, hein. Je comprends. Alors, ou bien c'est peut-être parce qu'on a une petite fille et qu'on était déjà full au niveau de l'énergie. Non? Non, je pense pas. Hein. Mais on en revient d'ici. Tu vas nous mène où? Non, on revient début avec celui-là. Bon, on a compris le truc.
On va encore bloquer sur la petite fille comme l'épisode précédent. Non bah ici on est déjà venu, donc à mon avis elle était en dessous. Elle doit être ici quelque part. Aïe. Non, elle est pas là. Ah mais là, on vient tout le temps au même endroit. C'est quoi ça? Il y en avait un là aussi. Non, celui-là, il nous mène en haut. Et en haut, il n'y a plus rien. Ça doit être tout à gauche, là. Non, non. Ça ouvre pas, ces trucs-là, par hasard. C'est tellement vicieux. On sait jamais. Alors, on va retourner là. Ah bah elle était là tout simplement. Mais elle était pas là tout à l'heure. Oh c'est une blague. Là on sait qu'il y a personne. Allez. On va se mettre à un endroit safe. Si c'est que des soldats là, moi ça me va. Hein. Je trouve que c'est pas les pires les soldats. Allez petit combo. Et on va danser. Yeah, on a le move. Et voilà, c'est fait. Mais cette histoire là, il faut que je la résous, je vous mettrai quelque chose dans le montage, mais c'est vraiment étrange. Hein. J'avais jamais vu ça là. Une petite pause s'impose, je me suis donc renseigné sur cette fameuse transformation en Mega Michael. On peut dire que c'est un petit easter egg de la part des développeurs. Rappelez-vous, dans l'épisode 3 de mon Let's Play, nous avions croisé ceci. On n'oublie pas de fouiller partout. Oh putain, y avait une météorite là, je sais pas d'où ça venait. Eh bien, c'est en fait une étoile filante, et oui, comme dans le film. Celle-ci n'apparaît que si l'on sauve une petite fille en particulier en premier dans chaque niveau à partir du round 2 du jeu. J'ai trouvé notamment la liste sur oneupgames.com, je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous éclater à devenir Mega Michael dans chaque niveau. Voilà, allez, on y retourne. Montage. Allez, on est parti, niveau 2. Bon. Faut faire gaffe à ces rayons, là. Est-ce qu'on commencerait pas d'abord par l'étage, pour être tranquille? Oh là 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 là. Putain, s'il y a beaucoup de rayons comme ça, on n'est pas dans la merde. Allez, casse-toi! Après, quand ils sont droits comme ça, les rayons, c'est moins gênant. Ah, mais ici, là, par contre, c'est les soldats, ça va pas le faire. Bon, on va faire les portes qui sont là déjà. Putain, mais on se fait canarder de partout. Oh là là, ça c'était beau par contre, ça c'était de l'esquive. Mais faut surtout faire gaffe aux rayons, regarder d'où ils viennent à chaque fois. T'as, je me tâte à aller d'abord en haut. Et pourquoi eux ils s'avancent pas? Y'a un tapis roulant et pourquoi eux ils viennent pas? N'importe quoi, ils ont... Oh là là, y'a un rayon là-bas. Ils ont des chaussures à velcro ou quoi? Y'a peut-être moyen... Oh putain! Y'a peut-être moyen de l'avoir comme ça. Oh là on est pas mal. Voilà. Oh putain, ça tire de partout. Mais pourquoi ils viennent pas? Ils ont des chaussures de sécurité. Nous on a des petits mocassins pour ça. On peut pas y aller.
Putain de rayon. Ça c'était beau aussi. Bah faut analyser hein, faut prendre son temps. Oh putain, mais ça c'est franchement le coup. C'est vraiment le petit truc en plus pour faire chier quoi. Franchement, ils se sont dit bon, des rayons, des soldats, c'est bien, mais bon, et si on rajoutait pas une petite bombe pour faire chier? Oh là là, mais... On peut même pas... Je sais pas, mais quand le soldat est hors de l'écran, il pourrait au moins être sympa. Et puis, éviter de le faire tirer, quoi. Évidemment. Je me demande si ça on peut pas les casser là. Ah si. Mais alors à quoi ça sert? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas juste pour faire joli parce que. Putain, mais non, je pensais pas que j'étais dans sa ligne de mire là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain, mais même là en hauteur, il nous bute! Mais c'est pas possible! Putain, ça tire de partout, quoi. Allez, on va tout de suite aller là-haut. Vu que de toute façon, en bas, c'est fait. Putain, mais en plus, il y a des bombes partout. Oh, c'est pratique, ça, par contre. Alors, on est pas mal, là. Alors, il manque des petites filles, hein. Où sont-elles? Il nous en manque deux. J'ai pas vu de téléporteur ou d'être comme ça. Là, ce rayon-là, il nous casse la tête. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les têtes des portes là, là-haut. Je pense que c'est ça. Attention, trou! Attention! On a fait le move du suicide là. Non, je crois qu'on avait été là-bas. Oh là là, il nous reste plus qu'une barre. Allez là, la petite fille, ça serait cool. Oui, bien. Oh mais quoi? Mais quoi? Mais putain! Mais non, mais c'est pas possible ça! Elle nous avait regen! Putain! Mais non! C'est vraiment le niveau de la chiasse. C'est vraiment, on sent que c'est la fin. On sent qu'ils ont voulu en mettre partout, histoire de te dire, t'as bientôt fini, mais tu vas encore en chier, t'inquiète pas. Putain, j'en reviens pas, quoi. Elle nous a regen, et on est mort en même temps. C'est n'importe quoi, je sais pas, mais... Ils pourraient nous mettre un peu invulnérables... Ne serait-ce qu'une demi-seconde, quoi, au moment où on attaque la fille, au moment où on sauve la fille. Enfin, je sais pas, quoi. Un peu d'indulgence, que diable! On est Michael Jackson, bordel! Putain. Ça devient compliqué, tout ça. Bombe de merde. Je trouve injuste que les soldats ne glissent pas sur ce putain de tapis roulant. On est Michael Jackson, hein. On sait gérer nos pieds, normalement, hein. On fait le moonwalk et tout, nous, hein. Oh là là là.
Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, fallait venir ici. Mais on va retourner là-haut quand même, parce que... Je suis sûr, on va zapper une petite fille. On a certainement une là-bas. Bah oui, évidemment. Allez, tombe dans le trou! Tombe dans le trou! Allez, nous, on va y aller. Le truc, c'est que quand le rayon est de biais, c'est là où c'est chiant, en fait. Où il faut faire gaffe. Voilà, quand il est de biais comme ça. Bon, il nous en manque deux. Oulala, 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 c'était la guerre. Il y en avait partout. Mon dieu. J'ai paniqué. Ouais, bah ouais, ouais, ah. Hein, ça devient compliqué, là, j'en ai marre. J'ai un peu trop canardé d'un coup, là. Maintenant, on en revient d'ici. Ah non, elle était là. Bon, allez. À quelle sauce va-t-on être mangé? Putain, je crois qu'on a bien fait de casser les rayons, parce que je me demande s'ils allaient pas être là pendant les boss, du coup. Je crois qu'on a bien fait. Bon, je pense qu'on va être safe si on se met là quelque part. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont l'air chaud patate, eux. Je me demande si on se met pas au milieu, là. C'est pire. C'est pire et c'est chiant. Wow, on a eu des Power Rangers verts. Trop classe. Et voilà, je vous l'avais dit que les rayons, il aurait fallu les enlever. On dirait qu'ils tirent plus. On va quand même les casser parce que je le sens mal. Voilà. Bon, un endroit où on peut être safe, je pense, c'est ici, hein, dans ces eaux-là, parce que si on se met en hauteur, ils nous tirent dessus. Et si on les fait danser? Faisons-les danser! Yeah! Je pense pas qu'ils seront morts, hein. Ouais, ça aurait été trop beau. Allez, approchez, approchez! On en a eu un. Deux. Et trois. Yes! Bon, je crois qu'on attaque là le dernier niveau. Et après, on est au boss. Et là, j'ai peur. Parce que je pense qu'il y aura un boss de fin. Ça doit être Joe Pesci, le boss de fin. Évidemment. Et si on commençait par une petite bombe? Ben oui, c'est plus rigolo. Oh là là, je sens que ça va être la merde. Oh là là là. Ah ouais, putain, on a les rushs là, comme dans le film là. On arrive vraiment à la fin là. C'est très fidèle au film quand même, hein. C'est pas dégueu, hein. On peut pas descendre là? Si, on peut. Ok, d'accord. Oh là là, ça tire d'en dessous et tout. Putain, ça tire de partout. Ça fait laguer le jeu, quoi. Trop d'ennemis, là. Vous avez été trop gourmands.
Et en plus, moi, j'aime pas quand il y a trop d'ennemis. Bon, elles sont pas trop planquées. Foiré. Franchement, pour l'instant, on a vu pire. Déjà, il n'y a plus de rayon bleu, là. Alors là, je pense qu'il faut aller au-dessus. Allez. Qu'est-ce que tu fais en haut, toute seule, petite? Alors, il y en avait une en dessous, là. Oh, putain, on n'était pas loin. Je pense que c'est comme ça qu'on peut l'atteindre. Après, il y a peut-être une autre façon, mais... Ça me paraît pas mal comme ça. Voilà. Nickel. Et la safe state, c'est très tentante quand même, hein. Pour éviter de se niquer le boss, là. Non, on va pas safe state. Bon, que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai hésité à safe states. Mon émulateur a bloqué, a figé complètement, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dû encore tout refaire. Vous pouvez pas savoir à quel point... Je commence à pas être bien. Bon, c'était pas trop compliqué à refaire, je vous avoue que comme là je redécouvrais, c'était compliqué, mais le fait de le refaire plusieurs fois, c'est pas si compliqué en fait. Donc on est parti, je crois que c'est l'avant-dernier boss, c'est-à-dire le boss du niveau, et après il doit y avoir un boss final, je pense. Si j'ai bien compris la... Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, on se retransforme en Mega Jackson, c'est bon ça. Ah, c'est pas mal, ça, ça va nous servir. Bon, on va essayer de se mettre là-haut. Je sais pas si on peut sauter avec. On peut s'envoler un petit peu. Ouais, parce que je crois pas qu'on soit invincible non plus, là. Je vois que notre barre d'énergie, elle diminue. On peut crever, on peut crever. Ouais, on peut crever, on peut crever. Faut faire gaffe à ça. On peut crever, les amis. On va trouver un spot un peu plus tranquille. Et on va y retourner. Donc, on peut crever. On n'est pas invincible. Tout à l'heure, on l'était. Ouais, qu'on trouve un spot où on peut se caler. Histoire que ce soit un peu plus facile. Mais on peut pas sauter, hein. Ah, comment on va faire? Est-ce qu'il n'y a pas une attaque spéciale qu'on peut enclencher? Putain, ça fait vraiment flipper, hein. Oh, c'est pas mal, ça. Mais ça nous fait perdre de l'énergie. On va l'utiliser si vraiment on se sent en danger. Genre là, voilà. Bah, il nous colle. Putain, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Allez, une petite pub australienne, et on se retrouve juste après. The music, the magic, the madness, the man, Michael Jackson. Nothing could prepare you for his movie. Okay, I want everybody to clear the air.
Moonwalker. A movie like no other. Allez, on a encore perdu une vie dans la bataille, mais on est pas mal. Donc on va utiliser les gros missiles que quand vraiment on se sent entouré là. Mais je suis sûr qu'il y a un endroit un peu plus safe là. Ah mais on peut voler! Eh ben on va partir là-dessus les amis. On peut voler. Mais en fait on est bien là. Mais si c'est ça le boss de fin, j'en reviens pas. Hein. Ici on est plutôt safe. J'ai l'impression que tout le reste est en bas. Ouais. Après, franchement, la phase dans le film quand il se transforme en robot, déjà là on se dit putain, mais ça fait vraiment jeu vidéo ça. Hein. Putain, ça fait vraiment jeu vidéo ça. Donc, pas étonnant qu'il l'ait fait. Pas étonnant. Bon, ils sont combien comme ça? Yes! Yes! Ah, ok. Now it's time for the final challenge. You versus Mr. Big! Je m'en doutais! Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, ben oui, on va être en avion comme dans le film! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il faut faire? Les avions là. Il y a un point bleu sur mon radar là à droite. Oh putain ouais, il est là, il est sur la droite. Je pense que c'est plutôt lui qu'il faut buter. Alors, pour mettre le viseur au milieu, c'est pas du tout stable. On touche ou pas là? Ah, je crois qu'on l'a touché là. Ouais, on le touche là. Ouais, faut esquiver ses tirs à lui. Merde, putain, ouais, je crois qu'on a chopé la technique. Mais faut faire gaffe à ses tirs à lui. Oh putain, on l'a touché direct là. On était pas mal. Attends, c'est tellement dur de l'avoir dans le viseur là. Oh mais on le touche là. Yes. Attends, on le retrouve plus là. Sur notre droite. Yes, on l'a touché. Oh putain, on l'a eu.
Yes! Alors, est-ce que c'est fini? Oh, c'est fini! Oui! We are the king of pop! Eh ben, dis donc! Quelle aventure, mes amis! Ah, ils ont modélisé le petit garçon qui danse dans Smooth Criminal. Eh ben, c'était pas facile, mes gens. Mais c'était pas dur non plus. C'est des coups à prendre, en fait. Le boss de fin, je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout, hein. Ça rappelle des jeux de tir de l'époque, hein, moi, mais pff, c'était pas ma cam du tout. Je crois que j'aurais préféré pouvoir l'affronter parce qu'il est dans une sorte de canon géant là, et je pense que ça aurait été plus sympa de l'affronter en mode plus arcade plutôt que de tir à la première personne là. Pas trop fan. Mais bon, et ben voilà, c'est terminé. Moonwalker est terminé. On va baisser un petit peu le son ici. Et ben j'espère que ce let's play vous aura plu, mes amis. On a pas mal fait de montage parce qu'on a eu quelques bugs techniques, mais rien de bien méchant. J'espère que ça vous aura plu, je ne sais pas encore quel let's play on fera prochainement, en sachant que je pense que niveau let's play, le but sera pas tout le temps de finir des jeux, il y aura peut-être ce que j'avais appelé des let's play express, c'est juste des petites phases de jeu, d'une petite demi-heure, trois quarts d'heure, ou juste on joue quoi, on verra. Peut-être même aussi des direct live qui devraient arriver incessamment sous peu, si mon réseau me le permet. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième let's play. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'RVGG pour voir la suite des projets. Je vous fais des gros gros bisous, et si je peux vous donner un conseil, écoutez Michael Jackson, parce que ça déchire. Allez, gros bisous, à bientôt, ciao.